Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait un peu de l'énergie. Avant de démarrer, je vous conseille en fait de dépenser toute votre énergie négative sur la petite cloche là-haut. Là. Allez-y, tapez dessus à fond et vous verrez, vous sentirez mieux après. Au passage, vous avez le droit de vous abonner aussi, de mettre un petit like, enfin de faire ce que vous voulez. L'énergie. Déjà aujourd'hui, regardez le décor. Il n'est pas beau ce décor. C'est une petite calanque. Je suis dans le massif de l'Estérel et c'est vraiment magnifique et je voulais vous faire partager qu'en fait on peut vraiment arriver à vivre sa vie. Et pour vivre sa vie, il faut comprendre des choses. Et moi j'ai mis plus de 2 ans à comprendre, bon, sans compter toutes les années avant, hein, donc 50 ans, et depuis on rajoute encore 2 ans. Et voilà, et ça fait 2 ans que je débloque tout ça, et en fait ben, le temps passe. Et c'est vraiment un partage que je veux faire, vraiment comprendre qu'il y a vous, il y a votre vous, votre corps physique, il y a votre mental, il y a votre ego, il y a votre cœur. Il y a votre cerveau gauche, il y a votre cerveau droit, il y a les neurones dans l'intestin qui sont aussi une portion du cerveau, il ne faut pas croire. Et on est guidé un petit peu par tout ça. Et en fait, on pense qu'il faut faire pour arriver et qu'une fois en fait, on a trouvé l'idée géniale de sa vie, ben, ça va marcher. En fait, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. De toute façon, vous voyez tous que tout le monde a des freins, tout le monde a des blocages. Il y a beaucoup de monde qui rame. Est-ce que vous avez autour de vous 10 personnes dans votre proche entourage qui sont vraiment hyper heureuses? Ben, je pense pas. Moi, j'ai vraiment, depuis 2 ans, suite à ma reconversion, où, franchement, je suis partie de rien. J'avais aucune idée. J'ai avancé, j'ai eu des idées, j'ai mis en application. J'ai beaucoup travaillé. Et puis, des fois, je me disais, mais il y a des trucs qui ne vont pas. Comment ça se fait que ça ne marche pas? Comme si j'avançais un petit peu avec un frein à main. Pourtant, je me dépensais. Pourtant, je passais à l'action. Donc, il y en a qui disent, bah oui, mais si en fait, si ça ne marche pas, c'est parce qu'on procrastine, etc. Donc, moi, j'étais dans l'action. Et malgré l'action, ça ne marchait pas. Et souvent, je disais, mais il y a un truc bizarre, mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Il y a un truc bizarre. Et pourtant, je me formais, j'appliquais. Voilà. Mais ça ne suffisait pas. Et on se dit, mais comment ça se fait? Puis entre deux, je voyais bien qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs aussi qui se lançaient corps et âme. Et puis qu'il y avait beaucoup d'échecs. Hein. Mais d'échecs où les gens ne rebondissaient pas. Donc, parce qu'ils avaient épuisé leurs ressources, hein, parce qu'ils avaient épuisé leurs idées. Et puis, voilà. Mais moi, j'avais tellement fait... quelque chose qui me motive vraiment au fond de moi, qui m'a poussée à démissionner, qui m'a poussée à aller chercher ma liberté, qui en fait me mène et m'a amenée justement sur un chemin que j'ignorais. Ce chemin en fait, c'est une coach que j'avais prise, que je ne savais pas qu'elle avait fait. Elle était aussi coach énergéticienne et j'ai découvert en fait tout un univers et c'est surtout un univers qui est fait aussi de blocages. De blocage par rapport à ses peurs, de blocage par rapport à ses croyances limitantes, on appelle ça. Puis des fois, en fait, ce sont des blocages, mais qui remontent même à plus loin, soit qui sont engrammés dans votre corps physique ou qui sont engrammés dans vos mémoires. Hein. Et puis des fois, ces blocages, ça vient des générations antérieures. En fait, ça va très loin. Donc, c'est pour ça que des fois, en fait, il faut arrêter d'être dans le faire quand on voit que ça ne marche pas. Mais il faut gratter un petit peu plus loin et essayer de savoir le pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai été chercher parce que je voulais atteindre mes objectifs, mes résultats. Je voulais vraiment atteindre ma liberté, liberté dans mon travail, liberté financière. Et je me dis que je mettrai tous les moyens en œuvre pour vraiment arriver à trouver la solution. Mais sauf que comme on vient d'un monde très cartésien, d'un monde où on a été formaté par l'éducation, par la société, par ce que l'on veut nous faire croire, ce que l'on veut nous faire faire. On est en fait à, c'est même pas 10 000 lieues, c'est à des années-lumière en fait de ce qu'on pourrait imaginer.
et que les clés, en fait, elles se trouvent là-bas, mais là-bas, très très loin. Mais en même temps, elles sont juste à côté de vous. Et vous ne les voyez pas, vous ne les savez pas, vous ne les connaissez pas. Donc voilà. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai découvert et qu'aujourd'hui, je veux vraiment partager avec vous pour vous dire qu'il y a une autre dimension. Et cette dimension, c'est l'énergétique. Et que dans toutes ces énergies qui circulent autour de vous, et bien des fois, ces énergies, elles sont bloquées. Et elles vous entraînent des blocages inconscients. Donc vous avez beau avoir votre mental qui dit « je le ferai, j'y arriverai, je fais, je travaille. » Et bien non, ça ne marchera pas malgré ça. Donc, comment on va faire pour ça? Et bien on va les travailler. On va les travailler ensemble pour justement commencer à débloquer. Dans mes ateliers, en fait, on aborde une première partie. Je vous donne des clés pour que vous, tout seul, en fait, vous arriviez déjà à lever, à débloquer des situations. Puis maintenant, des fois, ben, ça ne suffira pas. Même moi, vous voyez, j'ai découvert, je me suis formée, j'applique. Et il arrive à moi, je sentais qu'il y avait encore des choses. Donc, je me suis fait accompagner, je me fais toujours accompagner. J'ai toujours une coach avec qui je travaille. Et justement, on essaie vraiment d'aller nettoyer à fond ce chemin. Et c'est vraiment possible. Donc, c'est un message que je voulais vous passer. Aujourd'hui, on a toutes les clés pour vivre la vie qu'on a envie de vivre. Voilà, si vous ne vous plaisez plus dans votre vie, c'est possible d'en changer. Et il y a tout ce qu'on vous enseigne et il y a tout ce qui est plus subtil. Et en fait, c'est l'addition des deux qui fait que la recette, elle est là et que la recette, elle va marcher. Et je peux vous assurer aujourd'hui que je connais beaucoup d'entrepreneurs et que par mon avancée justement dans tout un certain milieu, ben je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, mais seulement qu'ils ne vous avaient jamais dit pourquoi ils ont réussi. Donc voilà, ils vous disent beaucoup le faire, mais que derrière, eh ben, ils ont travaillé sur tout ce que moi je vous enseigne et tout ce que je veux vous aider justement pour arriver et atteindre votre résultat. Voilà, tout le monde a ces clés-là. Mais pas tout le monde ne vous l'a dit. Donc mon but, c'est vraiment de vous accompagner et d'aller vivre la vie que vous voulez et oser aller vivre cette vie. C'est possible. Voilà, il n'y a personne qui vivra votre vie à votre place. Donc c'est à vous de vous prendre en charge. OK ? Allez, à bientôt.